Carapaz qui attaque. Elle est bonne celle-là. Et Richard Carapaz qui attaque peut-être pour aller chercher l'étape et la deuxième place du classement général. What happened at the end on that final climb? I don't know. I just follow the wheels. Now we see the moves and Guillaume Martin is starting to accelerate on this rise. I don't know, I had no idea what were we doing, but yeah. Wow, Van Aert looking strong, a big move by this rider. It was good to open the legs for tomorrow. Muret-Saint-Lary-Soulan, 178 km aujourd'hui et un final au sommet du col du Portet. 16 km à près de 9% de moyenne. Un final qui devrait promettre du spectacle et faire des dégâts après Peyresourde et le col de Val-Louron-Azay. Si les baroudeurs risquent de prendre du champ, les favoris devraient tout de même dicter leur loi et jouer la victoire d'étape. Tadej Pogacar va devoir surveiller Ineos, Grenadier, Jumbo-Visma ou encore Movistar, des équipes qui travaillent pour leur leader mais dont les tactiques sont parfois insaisissables, à l'image de l'attaque dans le final hier vers Saint-Gaudens. Pogacar est prévenu. Après une tentative de Pierre Roland, le bon coup va se dessiner dans cette étape au kilomètre 18 avec 4 coureurs. Lucas Postelberger de Laborance Groe a lancé les hostilités en compagnie de Dorian Godon, Anthony Perez et Danny Van Poppel. Deux hommes sont partis en chasse-patate, Maxime Chevalier et Anthony Turgis qui avaient fait la même sortie sur la route de Quillan il y a quelques jours. Cette fois, ils vont parvenir à rejoindre la tête de course. Un écart constaté entre le groupe de 6 et le peloton 7-5. 7 minutes 55. Le gap between the front 6 and the pack. 7 minutes 55. Julien Bernard lui va se relever et être repris par le peloton qui lézarde pourtant à près de 8 minutes des hommes de tête alors que l'on a franchi les 60 km de course. La roue va tourner à l'approche des premiers cols. Les équipes concernées par le maillot à poids prennent les choses en main. Attention pour l'arrière. Ralentisseur prononcé à l'entrée. Le sprint intermédiaire de Bagnères de Luchon est attendu au kilomètre 113. Cavendish est tout simplement au marquage de Matthews et Colbrelli. Allez, le sprint est lancé avec Michael Matthews, Sonny Colbrelli. Michael Matthews qui prend la 7e place de ce sprint intermédiaire à Bagnères de Luchon. Et il reprend un point supplémentaire, c'est toujours ça de prix. Hein. Cavendish ne perd pas beaucoup de points aujourd'hui. On aborde la première ascension de la journée, le col de Peyresourde. Les hommes de tête ont encore plus de 5 minutes d'avance alors que la lutte pour le maillot à poids secoue un peloton apathique. C'est une phase de course intéressante puisque Quintana, lui, était très intéressé par le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Et c'est la bataille pour le maillot de meilleur grimpeur qui anime ce début d'ascension. C'est Pierre Latour qui est parti en contre-attaque. De Pierre Latour qui accélère maintenant, sentant le groupe maillot jaune revenir sans doute. Alors que le peloton est en train de revenir sur les hommes intercalés, Pierre Latour décide d'attaquer. Dans l'échappée, au sommet, c'est Anthony Turgis qui passe en tête de ce col mythique devant Anthony Perez et Dorian Godon. C'est le 14 juillet, à l'avant de la course. Le peloton ne reprend pas de temps sur les échappées dans la descente. Le groupe de tête aborde l'ascension du col de Val-Louron-Azay avec plus de 4 minutes d'avance. Pierre Latour, lui, peu à l'aise en descente, est repris par le peloton. Ça chauffe devant, hein, avec l'attaque d'Anthony Perez, c'est du chacun pour soi maintenant. Anthony Perez qui s'est débarrassé de Dorian Godon et d'Anthony Turgis, le Toulousain. Petit à petit, les fuyards du jour sont repris par l'avant-garde du peloton, Van Poppel et Postelberger notamment, alors que les Français font de la résistance à l'avant. Anthony Perez passe en tête au sommet du col de Val-Louron-d'Azay. Il va être rejoint ensuite dans la descente par Dorian Godon d'AG2R Citroën alors que Turgis est toujours en embuscade. Ces hommes parviennent à tenir jusque dans l'ascension du col du Portet. Les deux anciens coéquipiers Godon et Perez continuent d'avancer mais Perez attaque à 13,5 km de l'arrivée. Et ça attaque à l'avant avec Anthony Perez. Anthony Perez qui tente de se débarrasser à son tour de Dorian Godon. C'est à toi, à moi, Thomas, entre les deux Français. Dans le peloton, la sélection s'opère par l'arrière. Les coéquipiers de Pogacar impriment un rythme soutenu. Garin Thomas distancé à son tour.
C'est parti avec Pogacar, pardon Nicolas, l'accélération du maillot jaune. Au moment où Peyo Bilbao était repris, Tadej Pogacar qui place une première accélération et qui reprend immédiatement évidemment le malheureux Anthony Pérez, enfin le malheureux, le héros du jour. Rigoberto Urán qui craque, le podium. Attention, le podium se dessine peut-être. Parce le podium se dessine. Urán était deuxième du général. David Gaudu qui, on le rappelle, a pris ses distances et il n'y a plus personne dans sa roue. David Gaudu à la poursuite du trio tête. Ah, il se méfie quand même, Vingegaard de Carapaz. Mais bon, il y aura peut-être des accélérations tout de même. Voilà, avec Tadej Pogacar à 2 km du sommet. Ah, ils vont peut-être essayer là, de distancer Carapaz. Quatrième de l'étape pour l'instant, David Gaudu, même si ce groupe est toujours très dense. C'est Carapaz qui attaque. Elle est bonne, celle-là. Et Richard Carapaz qui attaque peut-être pour aller chercher l'étape et la deuxième place du classement général. Ah, il les a bien bluffés, Richard Carapaz. Allez, Jonas Vingegaard qui donne tout à 500 mètres du sommet pour tenter de revenir. Et il va rentrer juste avant le panneau des 200 derniers mètres. Ah, c'est beau, hein. Et pour tenter de préserver sa deuxième place au classement général provisoire, Carapaz, Pogacar et Vingegaard de nouveau ensemble. 100 mètres de l'arrivée. La victoire d'étape, victoire de prestige en ce 14 juillet au sommet du col du Porté qui va succéder à Nairo Quintana. Sans doute le maillot jaune. Tadej Pogacar qui vient de placer une accélération sans doute décisive. Tadej Pogacar, allez, elle est là, la ligne d'arrivée juste au sommet. Victoire de Tadej Pogacar au col du Porté, il la voulait. Deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France. Et Jonas Vingegaard qui termine deuxième de l'étape. 6 secondes de bonification, Vingegaard, deuxième du général. Fantastic day. Just to win in the yellow is something I cannot describe. Yeah, it's a first for you. Yeah. Congrats. Thank you. Tadej Pogacar remporte sa cinquième étape sur le Tour de France après son triplé l'an dernier. Il est le premier maillot jaune à s'imposer aussi haut à plus de 2200 mètres sur le Tour. Il devance ses compagnons sur le podium provisoire du classement général, Carapaz et Vingegaard. David Gaudu prend une belle quatrième place et reste aux portes du top 10. Le classement du maillot à poids continue de s'animer. 40 points aujourd'hui pour Tadej Pogacar qui vient se mêler à la lutte. Pogacar qui a fait la montée avec son dauphin pour le classement du meilleur jeune. Il est toujours le maillot blanc de ce Tour 2021. Enfin, Mark Cavendish, arrivé 5 minutes environ à la fin des délais, reste en course. Il est bien évidemment leader du classement par points. Demain, dernier col de ce Tour avec le Tourmalet et la montée vers l'Uzardiden au menu.